C'est quoi? Mais c'est à moi, non? Ce n'est pas moi, c'est Exodus. Tu vois, je vais payer 9h pour Exodus. Aujourd'hui, c'est le 12. Exodus, c'est le 22. Je vais regarder que l'heure. J'arrive déjà, j'arrive là. Attends, attention. Oh. Mais vous n'irez pas avec Exodus. Oh. Mais c'est maintenant déjà. Oh, c'est maintenant déjà. Mais oui, c'est maintenant, je vais déjà partir. Oh. Il fallait se préparer. Oh, mais mon frère. Mais le frère, ah, mais. C'est pas aujourd'hui, c'est le 22. Oh, mais c'est quoi ça, Daniel? C'est pas moi, c'est Exodus. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser les points des photos comme ça. C'est pour Exodus. C'est pour Exodus, oui. C'est pour Exodus. Oui. Oh, Exodus, c'est quoi? Non, c'est pas. C'est un Alex. C'est pas ton sens. On vient de voir la vidéo, ça a fait le buzz sur Facebook, ça a fait le buzz sur toute l'étoile, tout le monde en parle à Bangalore. Je vais vous dire un secret, ce n'est pas moi, c'est Exodus. Donc ce soir pour en parler, j'ai comme invité Jonathan Isaac Ambu. Je vais lui céder la parole et il va se présenter. Bonsoir. Bonsoir Kesa. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu chez vous. Ça va. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Tu vas te présenter un petit peu. Je vais te tutoyer. Tu vas te présenter. Tu vas nous dire qui tu es. Donc, voilà. Merci pour la parole. Je suis Jonathan Isaac Ambu, comme vous l'avez dit, et responsable du Prayer Team El Bethel, qui est le groupe de prière de l'église El Bethel, qui se trouve à Maratali. Et c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Donc, comme tout le monde en parle, tout le monde se demande aussi ce qu'est Exodus. Donc, j'aimerais savoir, comme beaucoup de gens ici, ce qu'est Exodus. Donc, explique-nous un peu ce que c'est Exodus. Voilà, j'ai reçu beaucoup de questions partout sur le net. Les personnes me posent la question, c'est quoi Exodus? En fait, Exodus, c'est un mot anglais. En français, ça veut dire exode. Exode qui veut dire simplement la sortie d'un lieu vers un autre. Oui. En fait, Exodus n'a pas directement la pensée de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, mais d'accord, c'est simplement pour parler d'une sortie d'un lieu vers un autre. Et dans Exodus, nous parlons de la sortie de l'église, de ses bâtiments vers la rue, parce que nous croyons au concept
que Dieu est sorti des bâtiments du temple même pour aller dans la rue. Dieu est dans la rue actuellement. Et d'où le concept de Exodus. Nous sortons du cadre de l'église, nous sortons des bâtiments de l'église pour aller maintenant dans la rue. D'accord. Bah, ça a l'air intéressant. Mais qu'est-ce qui va faire la particularité d'Exodus? Parce qu'il y a eu tellement d'événements à l'église. Donc, qu'est-ce qui va faire la particularité d'Exodus? Qu'est-ce qui va nous faire nous bouger pour aller à Exodus? Bon, Exodus, déjà, j'aimerais préciser que cet événement, actuellement, c'est la première édition. Nous commençons ça simplement cette année, Exodus, et les années qui viennent, il y aura encore d'autres Exodus. Donc, c'est un concept qui va persister annuellement. Et cette année, dans Exodus, nous allons parler de « Après cela », le thème, c'est « Après cela ». Mais quelle est la particularité d'Exodus? Pourquoi Exodus? Déjà, au tout début, c'est la pensée de Dieu. C'est-à-dire, les événements peuvent se succéder, mais ne se ressemblent pas. C'est-à-dire, même lorsque Dieu envoie Adam, il envoie Abraham, il envoie Noé, il envoie Josué, il succède des hommes de Dieu avec la même puissance de Dieu, avec le même nom de Jésus, mais pour un travail différent. Et je pense par la grâce de Dieu que les années vont se succéder et qu'Exodus aura toujours beaucoup plus à apporter. Et surtout, il faudrait préciser que Exodus a la pensée de donner une certaine ligne de conduite, une certaine vision même de l'année qui commence. Voilà même pourquoi nous organisons cela en janvier, pour donner une vision, la vision du Seigneur et la pensée du Seigneur par rapport à l'année même où nous sommes. D'accord. Donc si je l'ai bien compris, le thème c'est bien après cela. Oui, après cela. D'accord. Et comme tu... j'ai pas très bien compris, je voudrais que tu me l'expliques encore. Qu'est-ce que ça veut dire après cela? Voilà, après cela, un terme qui aussi fait poser beaucoup de questions, pourquoi après cela? Mais après cela est beaucoup plus tiré d'une pensée dans la Bible de l'histoire de Isaac, Jacob et puis d'Ésaü. En fait, nous pouvons remarquer une chose dans l'église ou où que ce soit. Au début de chaque année, nous prenons des résolutions. Nous décidons sur beaucoup de choses. Nous disons, voilà, cette année, je serai performant. Cette année, je serai premier. Cette année, je serai la tête. Cette année, je vais encaisser beaucoup d'argent. Cette année, j'entreprendrai. Cette année, j'aurai ceci. Cette année, j'aurai cela. Mais après cela, qu'est-ce qui se passe? Nos 31 sont remplis de personnes qui font des déclarations et beaucoup de choses. Voilà, cette année, j'aurai ceci, je proclame, je déclare. Et après cela, what's happened? Qu'est-ce qui arrive, vous voyez? Même lorsque le peuple de Dieu, non seulement au début des années, mais même lorsque le peuple de Dieu va dans les retraites ou dans nos églises même, on prophétise sur nous, on te dit tu seras ceci, tu auras ceci, tu deviendras cela. Mais après cela, qu'est-ce qui arrive? Nous remarquons une certaine léthargie, non seulement dans l'église, mais surtout dans le peuple de Dieu, en dehors même de l'église. Alors, il ne faudrait pas donner à Karl Marx raison lorsqu'il dit que la religion est l'opium du peuple. Donc, nous ne sommes pas de ceux à qui pensons que c'est l'opium du peuple, mais beaucoup plus la religion, cette fois-ci, sera le fortifiant même du peuple, sera le catalyseur qui va emmener le peuple à passer à l'action, en fait. Donc, la pensée de après cela, c'est, voilà, lève-toi et puis passe à l'action. C'est vrai qu'on a prophétisé que tu seras ceci ou on a dit que tu seras cela. C'est vrai que tu as déclaré que cette année, tu auras beaucoup d'argent. Mm-hmm. Mais pour avoir beaucoup d'argent, tu dois travailler. Ouais. Donc, la pensée d'après cela, c'est travailler le business, l'entrepreneuriat, la politique, tout, dans tous ces domaines. Nous croyons que l'Église doit maintenant se lever et influencer aussi la société. D'accord, ça va, j'ai compris. Donc ce que moi j'ai compris, c'est que le thème après cela, c'est qu'il faut prendre les bénédictions, proclamer comme on a proclamé, et le prendre et à bras le corps et le réaliser. C'est, quoi. C'est vraiment ça, c'est en fait emmener à l'existence les choses qui n'est à l'existence physique, les choses qui sont simplement dans le spirituel. La Bible déclare que nous avons été bénédictions.
béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. C'est-à-dire, c'est la bénédiction, nous l'avons. Je peux même dire que l'Église aujourd'hui est obèse de bénédictions. Quand je veux dire qu'Esa est béni, lorsque tu passes dans la rue, tu bénis une personne, la personne dit que Dieu te bénisse. C'est devenu aujourd'hui comme un merci. Alors que Dieu te bénisse, c'est une réelle bénédiction que tu reçois. Mais seulement pour emmener cette bénédiction qui n'est encore que dans le spirituel, dans le physique, il faut que tu passes à l'action et que tu travailles. D'accord. Et c'est vraiment ça la pensée, c'est-à-dire travailler pour ressortir ce que nous avons déjà reçu en fait. D'accord. Donc tu veux dire par là que le chrétien, il reste encore timide, il sait qu'il est béni mais il ne veut pas sortir et réaliser tout ce que voilà, le Seigneur c'est, a promis. Voilà, c'est devenu un peu comme... voilà, tu sais, lorsque on te dit que tu auras ceci ou tu auras cela, et puis tu vis dans ce rêve, en fait, tu vis dans un rêve et non dans la réalité. Et la réalité et la vérité des chrétiens sont très distantes, ces deux choses. Et c'est ça le problème. Nous voulons simplement encore inciter le peuple de Dieu à devenir beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire à avoir recevoir, c'est vrai, dans le spirituel, mais emmener cela dans la réalité aussi. D'accord. Donc, après cela, c'est réaliser vos rêves, si on peut le dire comme ça. Voilà. Travailler pour réaliser vos rêves. Oui. Yeah. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que cet événement aura lieu? Est-ce que ce sera à l'église même ou bien vous avez prévu autre chose? Voilà, comme j'ai dit, on sort des bâtiments de l'église, donc ce sera dans une salle de conférence. La salle Wings, c'est juste derrière Banaswadi Police Station, pour ceux qui sont ici à Bangalore qui connaissent. Juste derrière Banaswadi Police Station, le 22 janvier, à partir de 15h30. C'est vraiment pas un lieu où on peut se tromper ou se perdre en tout cas. Donc d'accord. Dès que vous êtes à la Police Station, derrière, il y a une très belle salle là derrière. D'ailleurs, je pense avec les vidéos, nous allons voir les extraits de la salle et du lieu. Donc, c'est déjà le 22 janvier à partir de 15h30. D'accord. Jonathan, je te remercie et j'ai vraiment hâte d'y être. Le thème, il a l'air vraiment passionnant et franchement, j'ai vraiment hâte d'y être. Merci beaucoup. Merci à toi. Je nous invite encore nombreux à y être. D'accord. Donc, on vous invite tous. Franchement, comme Jonathan me l'a expliqué, j'ai vraiment hâte d'y être et j'espère que vous aussi. Donc, voilà, c'est Exodus.